Ton voisin et bénis-le. Look at your neighbor and bless him or her. Sans le toucher. Without touching him. Just look at a neighbor and bless le touche pas, mais bénis-le. Do not touch him. Just bless him. Voisin. Your neighbor. Et acclame pour Jésus-Christ maintenant. And now clap for Jesus Christ. Merci. Prenons nos Bibles dans Actes chapitre 26. Let's go to Acts chapter 26 in our Bibles. Verset 14 à 20. From verse 14 to 20. Nous allons essayer de répondre à la question qu'est-ce que Jésus veut même? We're going to try to give an answer to this question. What does Jesus really want? Quelle est cette chose? What is that thing? Que si tu l'accomplis, that if you accomplish or Jésus, carry out, Jésus sera satisfait. Jesus will be satisfied. Qu'est-ce qu'il veut? What does he want? Il envoie les apôtres, il envoie les prophètes, il envoie les pasteurs. Apostles, he sends prophets and sends pastors. Il envoie les évangélistes. He sends our evangelists. Il envoie les visions. He sends visions. Il envoie les prophéties. He sends prophets. Qu'est-ce qu'il veut? But what does he want? Qu'est-ce qu'il veut dire? What does he want to say? Quelle est cette chose-là? What is that thing? Que si tu l'accomplis, that if you carry out, le cœur du Seigneur Jésus sera satisfait. The heart of the Lord Jesus will be satisfied. Lis. Read for us. Actes chapitre 26, versets 14 à 20. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Je répondis: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Amen. Amen. L'apôtre Paul, the Apostle Paul, raconte sa rencontre avec Jésus. It is telling us here about his encounter with Jesus. Si tu es un invité, lève la main. If you are an invitee, please raise up your hand. Lève les mains comme ça. Please take up your hands like this. Si tu as déjà entendu parler de l'apôtre, baissez les mains. Please put down your hands. Si tu as déjà entendu parler de l'apôtre Paul, lève la main. If you have ever heard talked of the Apostle Paul, raise up your hand. Okay, vous êtes bénis. You are blessed then.
Paul rencontre comment il a rencontré Jésus. Tells us how he encountered Jesus. Le même jour, the same day, Jésus l'a enrôlé. Jesus enrolled him. Jésus l'a recruté. Jesus recruited him. Jésus lui a dit, Jesus told him, je vais t'utiliser. I'm going to use you. Il dit, he says, qu'avant, that before, il voulait d'abord combattre Jésus. He wanted to fight against, first of all, he wanted to fight against Jesus. Il ne savait pas qui était Jésus. He didn't know who Jesus was. Quand on lui disait qu'il y a les chrétiens qui prient là-bas, when they would tell him that there are some Christians praying somewhere there, il allait les persécuter violemment. He would go there and persecute them violently. Quand on voulait tuer un croyant, when a believer was about to be killed, il donnait son accord, son suffrage. He gave his agreement. Il était parmi ceux qui disaient oui, tuer, tuer, tuer. He was among those who said yes, 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 kill him, kill him. Un jour, one day, on lui a donné des lettres, des autorisations pour aller persécuter les disciples dans une autre ville. They gave him letters of authorization to go persecute disciples in another city. Il dit dans ce témoignage, in this testimony saying, pendant qu'il y allait, as he was going, Jésus a frappé. Jesus struck him. Une grande lumière a frappé ses yeux. A big light struck his eyes. Il est tombé. And he fell. Relis le verset 14. Read verse 14 again. Nous tombâmes. We all fell. Ils sont tombés. They all fell. Et qu'est-ce qui s'est passé? And what happened? Et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Ce jour-là, that day, il a entendu des choses que ses oreilles n'avaient jamais entendues. He heard things that his ears had never heard. Il était par terre. He was on the ground, tout tremblant. Trembling. Quelqu'un lui parle. And somebody talks to him. Saul, 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 Saul. Pourquoi tu me persécutes? Why are you persecuting me? Écoutez sa réaction. Listen to his reaction. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Voilà sa réponse. Saul, 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 Saul. Pourquoi tu me persécutes? Why are you persecuting me? Tu es qui? Who are you? Seigneur, qui es-tu? Lord, but who are you? Écoutez la réponse. Listen to the answer. Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus. I am Jesus. Que tu persécutes. Whom you are persecuting. Paul ne savait pas. Paul didn't know. Que quand tu maltraites un enfant de Dieu. That when you ill treat a child of God. Dieu enregistre ça comme si tu, toi, tu as maltraité Dieu. God records it as if you are treating him, God. Il croyait qu'il punissait les hommes. He thought he was punishing. Mais c'était des attaques contre Dieu directement. And those were, they were all attacks against God directly. Si tu es un invité, si tu es un invité, if you are an invité, la première chose, not the first thing, si tu as insulté, if you have ever insulted, un croyant, a believer, demande pardon à Dieu ce soir. Please ask God to forgive you tonight. Si tu ne le fais pas, if you don't do that, Dieu enregistre comme une insulte contre lui. God records it as an insult against him. Tu mens, you lie. Quand tu les vois, tu dis regardez comment ils sont. When you see them, you say, but look at how they are. Ils sont pauvres, donc ils sont partis se cacher dans l'église. They are poor. That's why they decided to go and hide in churches. Tu insultes Jésus. You are insulting Jesus. Et ça peut te coûter la malédiction. It can cost you a curse. Saul, 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 Saul. Pourquoi tu me persécutes? Why are you persecuting me? Pourquoi tu me résistes? Why are you resisting me? Tu ne me reçois pas. You don't receive me. Et tu persécutes ceux qui me reçoivent. And you persecute those who receive me. Tu ne me cherches pas. You don't look for me or seek for me. Et tu persécutes ceux qui me cherchent. And you persecute those who seek me. Pourquoi? Why? Lis. Please read. Mais lève-toi. Écoute Jésus. Now listen to what Jesus is saying. Acclamons d'abord. Let us first of all clap. Alléluia. Alléluia.
Quelqu'un pourrait penser que ce jour-là, Jésus allait seulement tuer Paul. One could think that on that day Jesus would just kill Paul. Avec tout le mal qu'il avait fait. With all the evil he has done. Mais écoutez la réponse. But listen to the answer. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Jésus lui dit, Jesus tells him, lève-toi, stand up, tiens-toi sur tes pieds, on your feet, stand. Je ne veux pas te tuer. I'm not going to kill you. Je ne veux pas te punir. I'm not going to punish you. Je te suis apparu. I have appeared to you. Pour que tu vois certaines choses. For you to see certain things. Et que tu entendes certaines choses. And that you also hear certain things. Et que tu partes chez tes semblables. And that you go to those who are like you. En mission. On a mission. Je t'envoie. I'm sending you. Qu'est-ce qu'il lui dit de faire? What does he tell him? Je t'ai choisi. Je t'ai choisi. I've chosen you. Continue. Continue. Mais du milieu de ce peuple, j'étais choisi du milieu de tes frères et sœurs. I've chosen you from the midst of your brothers and sisters. Je suis entré dans ta famille. I've come into your family. Et j'étais choisi. And I've chosen you. Pourquoi? Why? Et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Écoute. Listen. Paul doit aller vers les païens. Must have to go to the Gentiles. Ouvrir leurs yeux. Open their eyes. Pourquoi? Why? Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. So to move from darkness to light. Cher ami. Dear friend. Jésus Christ veut. Jesus Christ wants. Que les frères comme that, moi. That brethren like myself. Et les autres qui sont dans la salle. And the others who are in the hall. Si nous ratons, if we miss it, il ne sera pas content. He will not be happy. Il veut. He wants que nous t'aidions à ouvrir tes yeux. That we help to open your eyes. Jésus veut. Jesus wants que j'ouvre tes yeux. That I would open your eyes. Là où je suis debout là. Where I am standing here. La volonté parfaite de Jésus. The perfect will of Jesus. Il veut que je trouve les yeux. He wants that I should open your eyes. Que je t'ouvre les yeux. That I open your eyes. Parce que quand on est dans l'ignorance. Now because when one is in ignorance. On fait des choses. He does things. On ne sait pas que ça conduit à la mort. The person doesn't know that these things would lead him to death. Il y a l'ignorance. There is ignorance. On vit dans le vol. One lives in stealing. On vit dans l'adultère. Living in adultery. On ment. We lie. On est plein de rancune. Full of bitterness. On est aveugle. One is just blind. Il faut qu'on ouvre les yeux. Your eyes need to be opened. Il faut qu'on ouvre les yeux. Your eyes, we need to voir open your ta eyes. Nudité. For you to see your nakedness. Pour voir que tu es nu. To see that you are naked. Que tu es pauvre. That you are poor. Que tu as besoin de Jésus. That you need Jesus. Il dit à Paul. He tells Paul. Va ouvrir les yeux. Go open their eyes. Toi-même tu avais des yeux fermés. You yourself you had your eyes. Je viens d'ouvrir tes yeux. I've opened your eyes. J'ai été appelé pour que tu vois. I've called you so that you may see. Et que tu sois ministre et témoin. So you become a minister. A witness. Comme tu vois déjà, now that you are seeing, tu sais déjà qui je suis, you now know who I am, ce que je veux, you know what I need or what I want. Va vers eux. Go toward them. Va ouvrir les yeux. Go and open their eyes. Va ouvrir les yeux. Go and open their eyes. Va ouvrir les yeux. Go and open. Si les yeux sont ouverts, if their eyes are open, qu'est-ce qui va se passer? What will happen? Read. Pour qu'ils passent de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Je reprends. Va ouvrir les yeux. Verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Des ténèbres à la lumière. So they will move from darkness to light. Écoute. Listen. Dieu va te sauver. God is going to save you. Il t'ouvre les yeux. He will open your eyes. Dès que tes yeux voient, the moment you start seeing, c'est toi qui dois te lever. It is you now who stand up. Voici les ténèbres où tu étais assis. This is the darkness wherein you are sitting. Tu te lèves. You stand up. Parce que tu vois. Because you now see. Tu vas dans la lumière. You go
in the light, into the light. Tu quittes les yeux ouverts. You now move from there with eyes open. You des ténèbres à la lumière. You move from darkness to light. Il faut que ce soit actif. It must be active. Jésus ne va pas te tirer. Viens, viens me servir. Jesus will not pull you. Come, my friend. Jésus ne peut pas faire ça. Jesus will never do Jésus that. T'appelle. Jesus calls you. Et si le Seigneur, and if the Lord, tu te lèves, if he is Lord, you stand up. Vers lui, you go toward him. Tu passes des ténèbres à la lumière. You move from darkness to il light. Dit, tes yeux, he says, your eyes doivent s'ouvrir. Your eyes must be open. Dès que c'est ouvert, the moment they are open, c'est toi qui agis maintenant. It is you to act tu now. Te lèves, you stand up. Tu vas dans la lumière. And you go to light. Tu changes. You change. On dit que tu as cru. And they say you have believed. Il dit à Paul, he said to Paul, va, go, ouvre leurs yeux, open their eyes. Et qu'est-ce qu'il doit encore faire? And what must he have to do again? Pour qu'il passe de la puissance de Satan à Dieu, va leur dire, go and tell them, que les canaries, les sectes, all that the sects, les fétiches, and all the fetishes, ne peuvent pas les sauver. Cannot save them. Qu'ils quittent la puissance de Satan. That they should abandon the power. Qu'ils viennent à Dieu. And come to God. Qu'ils viennent à Dieu. Come to God. Qu'ils viennent se soumettre à Dieu. Come and submit themselves to God. Quand tu as les yeux ouverts, when you have your eyes open, comme je suis en train de t'aider, just as I'm helping you now, ouvrir tes yeux. I'm helping. I'm trying to open your eyes. Comprennes. So that you understand. Que tu as besoin de Jésus. That you need Jesus. Pourquoi? Why? Beaucoup de personnes se trompent. There are many people who are deceived. Beaucoup de personnes se trompent. Many people are deceived. Lis 1 Corinthiens chapitre 6. Read 1 Corinthians chapter 6. On va revenir sur le passage. We'll come back to this passage. Lis verset 9 à 10 et 10. Read from verse 9 to verse 10. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9 à 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Really, take it all over. Ne savez-vous pas que les injustes? Ne savez-vous pas que les injustes? Don't you know that the unrighteous? Ça veut dire que quoi? What does it mean? Qu'il ne faut pas ignorer. That you must not ignore que les gens qui vivent dans le péché. That people who live in sin n'entreront pas au ciel. Will never enter heaven. Dieu ne les recevra jamais. God will never, he will never receive them. Read. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez Do pas. Do not be deceived. Ne vous y trompez pas. Do not be deceived. Lis dans Jérémie chapitre 7. Read Jeremiah chapter 7. Lis verset 3, de verset 8 à 10. Read from verse 8 to 10. Il y a ce que la Bible appelle les espérances trompeuses. There's what the Bible calls deceitful hope. Que tu es là, that you are there. Tu crois que tu es sauvé, and you think you are saved. Alors que Dieu ne te connaît pas. Whereas God does not even parce que know tu you. N'as pas fait ce qu'il veut que tu fasses. Because you haven't done what he wants you to do. Lis. Read. Jérémie chapitre 7 verset 8 à 10. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses. Vous vous livrez à des espérances trompeuses. You give yourself to lying hope. Vous vous trompez. You deceive yourself. On vous trompe. They deceive you. Il y a des enseignements que tu as reçus. You have received teachings. Qui vont t'égarer. That will help you to get lost. À certains d'entre vous, on leur a dit que. To some of you have been told. Ils peuvent vivre dans le péché. Jésus est déjà mort. C'est bon. They have told some of you that they can live. You can live in sin because Jesus died for sin. It's all right. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Quoi? Quoi? Why? Dérober. Dérober. Voler. Tuer. Tu tues. You kill. Commettre des adultères. Tu commets l'adultère. You commit adultery. Jurer faussement. Tu jures faussement. You make false. You take false oaths.
offrit de l'encens à Baal. Tu adores les idoles. You worship idols. Tu adores les crânes. You worship skulls. Vous avez un serpent. You have a serpent. Il y a certains qui ont le bois, serpent. There are some who have pythons dans leur maison. In their homes. Dans leur latrine. Or in their toilets. Or in their latrines. Et ils ont tout ça. And they have all this. Allez après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Continue. Continue. Puis vous venez vous présenter devant moi. Et avec tous ces péchés-là, now with all these things, vous venez vous présenter devant Dieu. You come and present yourself before God. Dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites, nous sommes délivrés. Et vous dites, nous sommes délivrés. And you say, we are free. Nous sommes baptisés. We are baptized. Je suis protestant. I am Protestant. Je suis à la vraie église. I'm in a true church. Je suis catholique. I'm Catholic. Avec tout ça. Now with all this. Vous volez, vous mentez, you vous steal, tuez. You lie, you kill. Vous dérobez. And you steal. Et vous dites. And you say. Nous sommes délivrés. We have been set free. Tu es délivré de quoi? Set free from what? C'est ça la parole dit. That is what les espérances trompeuses. The word calls tu te trompes. Tu te trompes. Tu te trompes. You are deceiving yourself. Si Jésus revient, if Jesus has to il come, ne te prendra jamais. He will never take you. Tu vas aller dans le lac de feu. You will go to the lake. Après avoir fréquenté les églises. After having gone to many churches. Pourquoi? Why? Tu es resté dans les ténèbres. You remain in darkness. C'est pour cette raison qu'il dit à Paul. It is for this reason he tells Paul. Va ouvrir leurs yeux. Go open their eyes. Qu'ils quittent les ténèbres. And they may leave darkness. Qu'ils passent à la lumière. Come to light. Qu'ils quittent le diable. Leave the devil. Qu'ils passent à Jésus. Come to Jesus. Va ouvrir leurs yeux. Go open their eyes. Va ouvrir leurs yeux. Go open their eyes. Et je suis en train d'ouvrir tes yeux. And I'm opening your eyes. Ta vie. Your life n'est pas agréable à Dieu. It's not pleased, does not please the Lord. Avec tous les avortements, with all the abortions, n'est pas agréable à Dieu. It's not pleasing to God. Avec les projets de suicide, with projects of suicide, n'est pas agréable à Dieu. You're not acceptable to God. Avec l'hypocrisie, with hypocrisy, n'est pas agréable à Dieu. You're not pleasing to God. La haine, hatred, la haine, hatred, la jalousie, jealousy. Vous savez, you know, il y a des péchés grossiers qu'on voit. There are sins that can be seen. Il y a des péchés qui sont dans le cœur de l'homme. There are sins that are in the heart of man. Lis Marc chapitre 7. Read Mark chapter 7. Ces péchés sont là. Those sins are there. Ton intérieur est pourri. Your inner man is rotten. Tes pensées, your thoughts, ne sont que des pensées de crime. They are thoughts of crime. Tu es calme. You are quiet, mais calm. Tu es criminel. But you are a criminal deep down. Le Seigneur dit, the Lord says, ne te trompe pas. Do not be deceived. Tu n'es pas mon enfant. You are not my child. Personne ne te trompe. Let no one deceive you. Les voleurs, thieves, les adultères, adulterers, les efféminés, les ravisseurs, all those n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Enter into the kingdom of God. Oui, lis à partir du verset 21. Marc chapitre 7, à partir du verset 21. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses, all these things, sortent de l'homme, du cœur de l'homme. They come from the heart of man. Et c'est ça qui souille l'homme. And those are the things that defile man. En d'autres termes, in other words, tu es souillé. You are defiled. Tu es sale. You are dirty. Tes pensées, your thoughts. Tes pensées. You are thoughts. Tes désirs, your desires. Tout est sale. Everything is dirty. Les désirs de tuer, the desire de to se kill. Venger. To de voler. Tu es calme. You are calm. Mais dedans, but inside ça you, bouillonne. It is boiling. C'est pourri comme une latrine. It is rotten like a latrine. Dedans, inside, c'est pourri. It's rotten. C'est ça qui fait que même tes regards. It is, that is why even your looks. Sont les regards du péché. Are looks of evil, of sin. Va ouvrir les yeux. He said, go open their eyes. Ils sont dans l'ignorance. Let them come out of ignorance. Ils sont dans l'ignorance. Let them come from ignorance. Ils sont dans l'ignorance. They are in ignorance, rather. Imagine un sorcier. Imagine a sorcerer. Il vient.
He comes. Il dit, on a dit qu'on délivre les gens. As, because they say they deliver people here. Et il vient avec sa sorcellerie. And he comes to the sorcery. Il s'assoit là. And he sits right there. Il ne confesse pas. And he doesn't confess. Il attend qu'on prophétise sur lui. He's waiting that he will prophesy on him. Il y a une dame. Il y a une dame. There was a woman. Elle habitait chez nous. She was living at in our home. Elle voulait la délivrance. She wanted to be delivered. Elle était sorcière. She was a sorcerer. Je le savais. I knew. J'attendais qu'elle confesse qu'on la délivre. I was waiting for her to confess and elle était là be tranquille. Delivered. She was there quiet. Un jour, je l'ai appelé. One day I called her. Je lui ai dit, tu sais. I told her, you know. Je sais qui tu es. I know who you are. Mais la sorcellerie. But sorcery. On n'est pas délivré de la sorcellerie quand on te dénonce. One is not delivered from sorcery when you are denounced. On est délivré quand toi-même tu viens te livrer à la lumière. You yourself will come open up in the light. À la lumière. You come to the light and open up. Elle me dit, hey, c'est ça. He said, hey, that is it. Et dit, quand j'étais aux assemblées de Dieu, he said, when I was in the assemblies of quand God, le pasteur prêche, when the pastor was preaching, je le vois nu. I see him naked. Quand je fermais les yeux, when I close my eyes, le vent souffle dans mes oreilles. Fou, 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 fou. Wind will blow in my ears. Et lui dit que ces yeux-là, I told her, those eyes, c'est la sorcellerie. Is sorcery. Elle s'est ouverte un peu. She just opened a bit. She opened up a bit. Elle s'est refermée. And she closed up all Et si tu es là, if you are there, si tu veux quitter la sorcellerie, if you want to abandon sorcery, ça ne se fait jamais en cachette. This can never be done in hiding. Tu dois confesser. You must have to confess. Comme un péché. As a sin. And il y a des péchés qui sont très graves. There are sins that are very serious. Parce qu'ils enseignent le mal. Because these sins teach evil. Tu peux commettre l'adultère. You can commit adultery. Toi seul. You alone. Tu te repens, tu laisses. You repent and you abandon. Mais quand tu es sorcier, but when you are a sorcerer, on te dit d'initier d'autres personnes. They tell you to initiate other people. Tu les mets dedans. You bring them into it. Il y a un petit sorcier à Abidjan, on l'a déjà délivré. There's a small sorcerer in Abidjan. It's a grandmother who initiated him. Après, after that, un jour on lui a dit, maintenant tu ne dois plus coucher avec les femmes, tu couches seulement avec les hommes. They told him one day, now you no longer sleep with women, you only sleep with men. Et dit que lui ne peut pas aimer un homme. He said, but I can never love a man. Sa grand-mère l'a appelé. So the grandmother called him. Il a donné quelque chose à boire. And gave him something to drink. Quand il a bu. The moment he drank it. Maintenant, quand il voit un homme même, c'est comme s'il voyait une femme. Now when he sees a man, it's as if he's seeing a woman. Quand il a cru. When he believed, on a brisé ses liens. We break his ties. Il dit quand on enlevait les mains. He said, when the hands were taken off him. Il ne voyait plus. He wasn't seeing any longer. Les yeux qu'il voyait avec ont disparu. The eyes with which he was seeing disappeared. C'est ça qu'on appelle la délivrance. That's what they call deliverance. C'est ça qu'on appelle la délivrance. That is what they call deliverance. Tu peux être délivré. You can be delivered. Mais tu dois être très sérieux. And you must have to be very serious. Il dit tu quittes. He says you leave. Tu quittes les ténèbres. You leave. Tu vas dans la lumière. You go to light. Tu quittes la puissance du diable. You leave. Tu vas toi-même te soumettre sous la puissance de Dieu. You go submit yourself to the power. Dieu ne doit pas te supplier. God will not have to beg you. Comme nous faisons ici, pardon, viens. Pardon, viens. Pardon, viens. Please, come. Please, come. No. Vous voyez Jésus? You see Jesus? Bam, bam. Paul est à terre. Paul was on the ground. Est-ce qu'il discute avec lui? Was he arguing with him? Après. Qui es-tu, Seigneur? After him, but who are you, Lord? Je suis Jésus que tu persécutes. I am Jesus whom you are persecuting. Il dit maintenant, lève-toi. Say, now, get up. Siège-toi sur tes pieds. Stand on your feet. Je t'ai apparu. I appear to you. Pour te montrer des choses. To show you things. Et d'autres choses qui vont venir. And other things that will come. Et que tu sois ministre et témoin de ces choses-là. A minister and a witness of those things. Va donc chez les païens. Go then to the Gentiles. Va ouvrir leurs yeux. Go open their eyes. Passe des ténèbres so they live from darkness à la lumière to light. De la puissance du from diable the power of the devil à Dieu. To God. Acclamation à Jésus-Christ. A clap to Jesus Christ. Continue. Et qu'ils reçoivent. And they will receive. Écoutez. Oui. Par la foi en moi, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Qu'est-ce qui va se passer ce soir? Now, what is going to happen tonight? Si tu es un invité
désireux, if you are an invite, you desire de devenir enfant de Dieu, to become a child of God, tu vas te lever quand je vais demander. You are going to stand up when I will ask for that to be done. Et dès que tu te seras levé, and once you stand up, le Seigneur va déclarer que tu es pardonné. The Lord will declare that you've been forgiven. Par la foi. By faith. Ça commence par la foi. It begins by faith. Les autres choses qu'on fait après, les baptêmes, les conseils, ça, that il faut d'abord être sauvé, pardonné. The other things that can be carried out like baptism, counseling, but the first thing is to be reçois par la foi you le pardon de tes péchés. You receive the forgiveness of your sins by faith. Même si tu as commis des milliers de péchés, even if you committed thousands of sins, Jésus va pardonner tout. Jesus will forgive you all of them on this spot. C'est ça qu'on appelle recevoir le pardon des péchés par la foi. That's what we call receiving the forgiveness sans rien payer. By faith, without paying anything. Sans rien payer. Without paying anything. Sans rien payer. Without paying anything. Tu seras sanctifié. You will be sanctified. Justifié. Justified. Pourquoi? Why? Parce que avec les yeux ouverts, because with your eyes open, tu t'es levé toi-même, you stood up yourself, pour passer des ténèbres à la lumière. To move from darkness to light. Cet acte, that act, t'attire la grâce et la bénédiction. Pulls grace and blessings to you. Quand on demande, when it is asked, qui veut donner la vie à Jésus? Who wants to give his life to Jesus? C'était parce qu'on s'amuse. Some people think that we are joking. Mais c'est une interrogation très sérieuse. But it's a very serious question. C'est ça que Dieu prend pour te sauver. That is what God uses to save you. Vous voyez? You see? Quand on devait tuer Jésus, when Jesus was to be killed, les gens disaient tuez-le, tuez-le. People were saying kill him, kill him. Pilate leur demandait. Pilate asked. Vous me dites de libérer le bandit. You are asking me to set free a thief. Mais qu'est-ce que je vais faire de Jésus? But what am I going to do with this Jesus? Qu'on appelle roi des Juifs. Called the king of the Jews. Ils ont dit tuez-le. They said kill him. Crucifie-le. Crucify him. Vous voyez? You see? Une petite question. A simple question. Et avec une réponse aux conséquences éternelles. With an answer having eternal consequences. Quand on t'appelle à Christ. When you are called to Christ, quand tu ne viens pas, and you don't come, tu veux qu'on mette Jésus où? You want Jesus to be put where? Et qu'est-ce qui t'empêche de venir? And what hinders you from coming? Et la chose qui t'empêche de venir, another thing that hinders you from coming, c'est ça qui est ton Dieu. It is that thing that's your God. Donc tu mérites le jugement. You deserve judgment then. Parce que tu as rejeté la gloire de Dieu. Because you've rejected the glory of God. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Ou bien vous êtes déjà au jour du jugement? Oh, you are already in the day of judgment. Mais si Jésus voulait te juger, il n'allait pas t'amener ici. But if Jesus wanted to judge you, he would not have brought you here. Paul, he told Paul, lève-toi. Stand up. Tiens-toi sur tes pieds. Stand on your feet. Il était là. He was. Yes. Il a persécuté Jésus. He had persecuted Jesus. Il dit non, ne tremble pas. Jesus said, please don't tremble. Je vais t'utiliser. I'm going to use you. Tu es mon serviteur. You are my servant. Va ouvrir les yeux des autres. Go and open the eyes of others. Pour qu'ils changent de vie. So they will change their lives. Et qu'ils aient l'héritage avec les sanctifiés. And they'll have the inheritance of the, they'll have. They will be part of the inheritance. They will have part in the inheritance of the sanctified. Les guérisons, healings, les restaurations, restoration. Ça c'est les bénédictions. Those are blessings. Ça c'est l'héritage. That's the inheritance. Et le plus grand héritage. And the greatest c'est la vie éternelle avec Jésus. It's eternal life with Jesus. Au ciel. In heaven. Quand Jésus va revenir. When Jesus will come back. Quand Jésus va revenir. When Jesus will come back. Quand Jésus va revenir. When Jesus will come. La vie éternelle. Eternal life. Certains vont mourir avant même que Jésus ne revienne. Some will die before Jesus. Mais si tu meurs, but if you were to die, tu vas au ciel. You will go to heaven. Directement. Directly. Tous ceux qui ont Jésus. All those who have Jesus. Quand Dieu les appelle. When God calls them home. Ce que les gens appellent la mort. What people call death. Et ils entrent dans le repos. They just enter into their rest. Ils entrent dans le repos. They enter into their rest. Ils ne seront plus jugés. They will no longer be ils judged. Ils ne connaîtront pas la seconde mort. They will no longer
experienced ils ont Jésus de Nazareth. They have Jesus of Nazareth. Ils ont le Fils de Dieu. They have the Son of God. Va ouvrir leurs yeux. Go open their eyes. 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 Qu'ils changent. So they will change. Tu dois changer. You must have to change. Il y a un chant en Côte d'Ivoire. There's a song in Ivory Coast. J'ai dit aux frères. I told the brethren. Je n'aime pas ce chant-là. I don't like that song. Qu'est-ce que le chant dit? What does the song say? Prends-moi, Seigneur. Lord, take me. Dans mon état. In my condition. Dieu de Jacob, soutiens. God of Jacob. Non. I come to you. No. Dieu veut que tu changes. God rather wants you to change. Il ne peut pas te prendre dans ton état. He will not take you in the condition in which you are. S'il devait te prendre dans ton état, if you were to do so, il n'allait pas envoyer les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les apôtres. Apostles, pourquoi? For what reason? C'est une bataille. It's a battle. Tu dois changer. You must have to change. Qu'est-ce que Paul dit? Lis le verset 19. Écoutez bien. Listen very attentively. En conséquence, roi Agrippa, Paul dit, Paul says, quand il a entendu tout ça, when he heard all that, qu'est-ce qu'il a fait? What did he do? Écoutez. Listen. Je n'ai point résisté. Je n'ai point résisté. I did not resist. Je n'ai point résisté. I did not resist. À quoi? To what? À la vision céleste. À la vision céleste. The heavenly vision. C'est-à-dire la volonté suprême de Dieu. That's to say the supreme will of God. C'est ce que Dieu veut que tu fasses. What God wants you to do. C'est ça qu'on appelle la vision céleste. That's what we call heavenly. Dieu veut que tu changes. God wants you to change. Dieu veut que tu quittes les ténèbres. God wants you to come out of Dieu veut que tu viennes à la lumière. He wants you to come into the light. Dieu veut un changement total. A total change. Un changement total. Total change. Voici comment Paul a réagi. That is how Paul reacted. Qu'est-ce qu'il a fait lui-même? What did he do himself? Écoutez. Listen. À ceux de Damas d'abord. À ceux de Damas. To those in Damascus, il a commencé le travail. He started working there. Il n'a pas résisté. He did not resist at all. Dieu, le Seigneur Jésus lui a dit. The Lord just told him. Va ouvrir les yeux des hommes. Go open the eyes of men. Il dit, il a commencé à Damas. He began in Damascus. La ville. The city. Où il allait pour persécuter les croyants. Where he was going to persecute. Il a commencé là. He started there. À Damas. In Damascus. Et puis. Puis à Jérusalem. Il est revenu à Jérusalem. Oh, he came back to Jerusalem. Là où se trouvaient les gens qui lui avaient signé des autorisations. Where those who had given him the authorization. Sans crainte. Without being afraid. Il est à Jérusalem. He got to Jerusalem. Qu'est-ce qu'il faisait? What was he doing? Et dans toute la Judée. Et dans toute la Judée. All of tout Judea, le pays. Et chez les païens. Il entrait chez, il a même dépassé le territoire d'Israël et allé chez les païens. He went out of the Israeli territory and went to the Gentiles. J'ai prêché la repentance. J'ai prêché la repentance. I preached repentance. Paul est devenu. Paul became un prédicateur. A preacher. Qu'est-ce qu'il prêchait? And what was he preaching? Il prêchait la repentance. He preached repentance. Il prêchait la repentance. He preached repentance. Il prêchait la repentance. He preached repentance. Partout où il allait. Wherever he went. Qu'est-ce qu'il disait? What was he saying? J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Il disait aux gens, he was telling people, ce que Jésus veut, that which Jesus wants, c'est que chacun change de vie. That each one of you should change his et que ways, chacun porte les fruits. That each one will bear fruits, les fruits de la repentance. Bear fruits of repentance. Il y a des fruits que tu dois porter. There are fruits that you must have to bear. Il y a un comportement a way of que tu dois manifester. You must have to manifest quand tu as reçu Jésus. Once you receive Jesus, normalement, quelqu'un qui a reçu Jésus, normally, someone who has received il Jesus, reste avec les frères. He abides with brethren. Il assiste aux enseignements. He attends the meeting, the teaching meetings. Évangélisation. He goes to the il est attaché aux frères. He's attached to the brethren. Il abandonne la colère. He abandons anger. Il pardonne à tous les ennemis. He forgives all his enemies. Il entre, il a ce qu'on appelle la vie de Dieu. He knows what is called the il manifeste la vie de Dieu. He manifests the life of God. La colère, anger, c'est fini. It's ended. Les fruits, fruits. Les fruits, fruits. Les fruits. Fruits. Il y a des gens qui disent that people who say nous sommes sauvés, that they are saved, mais il n'y a aucun fruit. But there are no fruits. Aucun fruit. No fruits. Aucun fruit. No fruits. Quand on te regarde, when they look at you, quand toi-même tu te regardes, laissons même les autres. When you yourself look at, when you look at yourself, tu doutes même. Them. Tu es convaincu, tu doutes, tu es you convaincu que tu n'as pas les fruits. You are convinced and you doubt the fact that you don't, tu n'as pas les fruits. That you don't have fruits. Quand tu te mets en colère, c'est comme when un démon. When you become angry, it's like a demon.
J'ai prêché la repentance. I preach repentance. J'ai prêché la conversion. I preach confession. La conversion, c'est quoi? What is conversion? La conversion, confession, c'est quand tu te soumets à la suprême volonté de Dieu. It's when you submit yourself to the supreme will of God. Après avoir abandonné tous les péchés. After having abandoned all, la repentance, repentance, te permet d'abandonner les péchés. Enables you to abandon sin. La conversion, confession, fait de toi makes of un you vrai adorateur du vrai Dieu en esprit en vérité. A true worshipper of the true God in spirit and truth. Quand quelqu'un vole, when someone steals, il ne s'est pas encore repenti. He has not repented quand il yet a laissé tous les mensonges, when he abandons all lies telling, la chose qu'il lui faut, now the thing that he c'est needs commencer à marcher selon la volonté parfaite de Dieu. It is to start to walk according to the perfect will of God. Il est soumis. He is submissive. Il est soumis au Saint-Esprit. Il est soumis à la parole de Dieu. Submit himself il est to the word of God. À Dieu. Submit himself to God. Il a prêché la repentance. He preached repentance. Ceux parmi vous, those among you, qui vont accepter Jésus ce soir, who are going to accept Jesus tonight, vont accepter en même temps de faire la repentance. Will also accept to repent. Tu n'accuses plus les hommes. You no longer accuse men. Tu people te condamnes toi-même. You condemn yourself. Et tu demandes pardon à Dieu. And you ask God to forgive you. Tu demandes pardon à and Dieu. You ask God to forgive you. Et je te dis la vérité. And I'm telling you the truth. Paul fait partie des hommes les plus bénis de la terre. Paul is part of the most blessed people on earth. Tu seras béni. You will be blessed. Tu seras protégé. You will be protected. Jésus marchera avec toi. Jesus will walk with son you. Son esprit sera en toi. His spirit will be in you. Il a dit dans sa parole. He says in his word. Je vous donnerai un cœur nouveau. I will give you a new heart. Je vous donnerai un esprit nouveau. I will give you a new spirit. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Take away from your body the heart of stone. Cœur de chair. I'll give you a heart of flesh. Quand tu viens à Jésus, when you come to Jesus, ce n'est pas toi qui te débrouilles à le servir. It's not you who struggles to serve. C'est lui-même qui te donne la capacité. He's the one who grants you the enabling. Il dit, je vais te donner un nouveau cœur. He says, I'll give you a new heart. Je vais enlever le cœur rusé, astucieux, menteur. I will take away the heart that is full of evil. Je vais enlever le cœur qui est dur. I will take away the heart that is insensible. Insensitive. Je vais te donner un nouveau cœur. I'll give you a good heart. Et il va te bénir. I'll give you a new heart and he will bless you. Il va te combler. He will fill you. Il dit, je suis avec vous tous les jours. He said, I'm with you. Il a dit à ses disciples. He told his disciples. Demandez. Ask. Vous n'avez pas encore demandé. You have not asked yet. Je vais vous donner. I will give you. Quand tu as Jésus. When you have Jesus. Quand tu pries. When you pray. Il t'exauce. He answers. Nous allons le voir ce soir. You are going to see it tonight. Quand chacun va poser son problème à Jésus. When each one will bring his problem to Jesus. Il va prendre nos problèmes. He will take our problems. Et il va envoyer des solutions. And will send answers. Jésus-Christ. Jesus Christ. Le Fils de Dieu. The Son of God. Jésus-Christ. Jesus Christ. Le Fils de Dieu. The Son of God. Jésus-Christ. Jesus Christ. Le Fils de Dieu. The Son of God. Un jour, one day, j'étais dans cette ville. I was in this town. Je priais. I was praying. Je disais à Jésus, I was telling guéris-nous. Heal us. Tu ne nous as pas guéri. You have not healed us. Il y a une sœur qui était malade. There's a sister was sick. Elle pleurait à l'hôpital. She was crying in the hospital. Quand j'ai entendu les cris, when I heard the cries, j'étais misérable. I was miserable. Je suis revenu à la maison. I came back home. J'ai prié la nuit. I was praying that night. Et le Dieu m'a enlevé un esprit. And God took me, carried me into the spirit. Il m'a dit, and told me, mon corps était resté en bas. My body remains here on earth. Mon esprit est monté. My spirit went up. Il m'a dit, utilisez ma puissance. And he said, use my utilisez power. Ma puissance. Use my power. Utilisez ma puissance. Use my power. Et je suis revenu. And I came back. Je lui ai demandé pardon. I asked him, please forgive me. Il voulait me dire, he wanted to tell me, vous perdez le temps. You are wasting j'ai your tout time. Accompli. I have accomplished utilisez everything. Just c'est choose là. It is right there. Tu vas l'utiliser ce soir. You are going to use that tonight. Tu vas l'utiliser ce soir. You are going to use it tonight. Tu vas l'utiliser ce soir. You are going to use that tonight. Tu vas entrer dans ce soir. Tonight. Nous avons compté les jours. Nous sommes jeudi, vendredi, samedi, dimanche. We are today is we are Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Nous sommes en train de sortir. We are almost coming out. Ce soir. Tonight. Même si on t'a enterré. Even if you were buried, tu vas sortir. You will come out. Jésus n'a pas dit ces choses pour rien. Jesus did not say these things for nothing. Il dit, va ouvrir leurs yeux. So go open their eyes. Tes yeux sont ouverts. Your eyes are open. Tu sais qui est Jésus là où tu es assis. You know who Jesus is where you are sitting right there. Même si c'est la première fois. Even if it's your first time. L'entendre.
of hearing tu as déjà entendu. You have already heard. Tu ne peux plus être le même. You can never look, you can no longer. Va ouvrir les yeux. Go open the eyes. Il passe des ténèbres à la lumière. Move from darkness to light. La puissance de Satan à Dieu. From the power of Satan to God. Et qu'il reçoive avec les sanctifiés. And that they receive the sanctified. Le pardon de péché. The forgiveness of sins by faith. Et l'héritage. And the inheritance. Avec les sanctifiés. With the sanctified. Tu es béni. You are blessed. Est-ce qu'il y a parmi vous? Is there among you? Même si c'est une personne. Even if it's just one person. Qui veut quitter la pourriture, les ténèbres. Who wants to come out of rottenness and darkness? Pour passer à la lumière de Jésus. And move over to the light of Jesus. Est-ce qu'il y a parmi vous? Is there any among you? Un seul. Even just one. Que celui-là lève la main. Let that one take up his hand or her hand. Oui, levez bien les mains ceux qui veulent please, passer les ténèbres à la lumière. If I to move from darkness to light. Oui, venez ici. Yes, now please stand and venez come. Courageusement ici. Come courageously here. Montez, montez. Acclamez plus fort. Clap and much louder. Venez rapidement. Come rapidly. Lève-toi et viens rapidement. Stand up and come rapidly. Tu passes des ténèbres à la lumière, des ténèbres à la lumière. No, moving from darkness to light, from des ténèbres à la lumière. From darkness to light. Des ténèbres à la lumière. From darkness to light. Des ténèbres à la lumière. From darkness to light. De la puissance de Satan à Dieu. From the power of Satan to God. Pour recevoir le pardon de tes péchés. To receive the forgiveness of your sins. Le pardon de tes péchés. The forgiveness of your sins. Le pardon de tes péchés. The forgiveness of your sins. Et l'héritage avec les sanctifiés. And an inheritance with the sanctified. Et l'héritage avec les sanctifiés. An inheritance with the sanctified. Oui, viens, viens, viens. Yes, come, come, come. Viens, viens, come, viens. Come, come, come. Viens, viens, come, viens. Come, come, come. Viens, viens, come, viens. Come, come, come. Oui, viens, viens, viens. Yes, come, come, come. Oui, acclamez, acclamez. Yes, continue to clap, clap. Lève-toi et viens, viens. Stand up and come and quick. Tu passes des ténèbres à la lumière. You are moving from darkness to light. Ne fuis pas la lumière. Do not run away from the light. Si tu fuis la lumière, if you run away from the light, tu meurs, tu vas dans le lac de feu. You die, you go to the lake of fire. Toi-même, tu as choisi. You have chosen you yourself. C'est maintenant qu'on choisit. It is now that one chooses. Pendant qu'on est vivant. When one is alive, si tu alive. Meurs, if you were to que, die, que personne ne te trompe. Let no one deceive you. Qui va dire des messes pour toi? Offer a mass for you. Ça ne pourra pas marcher. It will never work. Je reçois Jésus pendant qu'on est vivant. One receives Jesus when he is still alive. Pendant qu'on est encore vivant. When one is still alive. On se lève. One stands up. On quitte les ténèbres. Abandons darkness. On passe à la lumière. Darkness and move to the light. On quitte les ténèbres. Come from the darkness. On passe à la lumière. Come to the light. Lève-toi et viens. Stand up and come. Oui, acclamez, acclamez, acclamez. Yes, continue. Clap, clap, clap. Lève-toi et viens. Stand up and come. Oui, acclamez. Clap, clap. Ça, c'est des choix éternels. These are eternal choices. Des choix éternels. Eternal choices. Des choix éternels. Eternal choices. Oui, acclamez, acclamez. Yes, yes, please, clap. Tu ne pourras pas dire à Jésus que tu n'étais pas au courant. You will never say to Jesus that you did not know. Il dit, va ouvrir leurs yeux. So go open their eyes. Va leur montrer. Go and show them. Ils sont dans l'erreur. That they are in error. Parce qu'ils espèrent étant dans le péché. Because they dare to hope. While living in sin, ils espèrent étant dans le péché. They dare to hope while in sin. Ils n'ont pas abandonné le péché. They have not abandoned sin. Mais ils s'attendent à une grande œuvre de Dieu. They are expecting a big work of God. Dans leur vie. In their lives. Oui. Yes. Oui, oui. Acclamez, yes. Acclamez. Clap, venez. Clap, clap.
Tes yeux sont ouverts. Your eyes have been opened. Tu ne peux plus dire à Jésus que tu ne savais pas. You can never tell Jesus, you can never say to Jesus I never Tes yeux sont ouverts. Your eyes are open now. Tes yeux sont ouverts. Your eyes are now open. Tu connais les pensées de ton cœur. You know the thoughts of your heart. Tu sais you know que par tes pensées that by your thoughts, tu offenses Dieu chaque jour. You offend God every Mais Dieu day. Te dit, But God is telling you, viens. Come. Viens. Come. Quitte les ténèbres. Abandon, come from darkness. Viens à la lumière. Come to light. Quitte les ténèbres. Abandon darkness. Viens à la lumière. And come to light. Quitte les ténèbres. Come out of darkness. Viens à la lumière. And come to the light. Jésus dit, Jesus says, je me tiens à la porte. I stand at the door. Et je frappe. And I'm knocking. Si quelqu'un entend ma voix, if anyone hears my voice, s'il ouvre, and je vais entrer chez lui. I will come into him. Oui, acclamez, acclamez. Yes, please clap, clap, clap. Lève-toi et viens. Stand up and come. Il y a encore des gens qui doivent venir. There are still people who must have to come. Who must have to come. Jésus t'appelle. Jesus is calling for you. Il t'appelle. Jesus is calling for you. Si tu es sorcier. If you are a sorcerer. Si tu refuses la repentance. If you refuse repentance. Si tu meurs, tu iras à l'enfer. If you die, you'll go to hell. Si tu refuses la repentance. If you refuse repentance. Personne ne peut te délivrer. Nobody can deliver you then. Si tu es dans une secte. If you are in a sect. Si tu refuses la repentance. And you refuse to repent. Tu vas mourir dans cette secte. You will die in that sect. Sans secours. Without any help. Il n'y a que Jésus qui peut te délivrer. But only Jesus can heal you. Il n'y a que Jésus qui peut te délivrer. Only Jesus can deliver you. Et ma prière. And now my prayer. C'est que tu te donnes ce soir. Is that you give yourself tonight. Ma prière. My prayer. Est que tu te donnes ce soir. Is that you give yourself to him tonight. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi, tu vas devant. Stand up and go forward. Lève-toi, tu vas devant. Stand up and go forward. Lève-toi, tu vas devant. Stand up and go ahead. Lève-toi, tu viens. Stand up and come. Si tu es un frère, lève la main. If you are a brother, raise up your hand. Dis au nom de Jésus. Say the name of Jesus. Jésus nous a envoyé. Jesus has sent us. À annoncer la bonne nouvelle. To preach the good news. Et à faire des disciples. And make disciples. De Satan. And Satan. Dans la bataille qui nous oppose à toi. In the battle that we are against, waging against you. Concernant le salut des âmes. Concerning the salvation of souls. C'est à nous la victoire. The victory belongs to us. Va-t'en. Be gone. Nous t'arrachons toutes les âmes que tu veux garder captives. We snatch from you all the souls you want to keep in captivity. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Be gone, be gone. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Lève-toi et viens. Stand up and come. Il y a quelqu'un qui a été libéré par cette prière. There's someone who has been set free by this prayer. Il y a quelqu'un qui a été libéré par cette prière. There's someone who has been set free by this prayer. Lève-toi, tu viens. Stand up and come then. Lève-toi, tu viens. Stand up and come. Lève-toi, tu viens. Stand up and come. Lève-toi, tu viens. Stand up and come. La patience de Dieu, c'est pour ton salut. God's patience is meant for your salvation.
La patience de Dieu, c'est pour ton salut. The patience of God is for your salvation. La patience de Dieu, c'est pour ton salut. Now the patience of God is for your salvation. La patience de Dieu, c'est pour ton salut. The patience of God is for your salvation. Il y a quelqu'un qui doit venir. There is someone who must have to come. Il y a quelqu'un qui doit venir. There is someone who must have to come. Nous pouvons continuer sans toi. We can continue without you. Mais ça va, tu vas perdre. But you will be the loser. Nous pouvons continuer sans toi. We can continue without you. Mais tu vas perdre. But you will end up being the loser. Nous pouvons continuer sans toi. We can continue without you. Nous pouvons continuer sans toi. We can continue without you. Mais tu vas perdre. But you will be the loser. Nous pouvons continuer sans toi. We can continue without you. Nous pouvons continuer sans toi. We can continue without you. Mais tu vas perdre. But you will be the loser. Mais tu vas perdre. But you will be the loser. Nous pouvons continuer sans toi. We can continue without you. Nous pouvons continuer sans toi. We can continue without you. Mais tu vas perdre. But you will be the loser. Mais tu vas perdre. But you will be the loser. Mais tu vas perdre. But you will be the loser. Mais tu vas perdre. But you will be the loser. Mais tu vas perdre. But you will be the loser. Mais tu vas perdre. But you will be the loser. Nous pouvons continuer sans toi. We can continue without you. Nous pouvons aller sans toi. We can go ahead without you. Et nous pouvons aller sans toi. We can go on without you. Et Jésus peut continuer sans toi. And Jesus can continue without you. Jésus peut continuer sans toi. Jesus can continue without you. Jésus peut continuer sans toi. Jesus can continue without you. Mais c'est toi qui vas perdre. But you will be the one. C'est toi qui vas perdre. You will be the loser. Mais c'est toi qui vas perdre. You will be the loser. Mais c'est toi qui vas perdre. You will be the loser. Mais c'est toi qui vas perdre. But you will be the loser. Jésus peut continuer sans toi. Jesus can continue without you. Jésus peut continuer sans toi. Jesus can continue without Et you. Et il va continuer sans toi. And he will continue without you. Et c'est toi qui vas perdre. But you will be the loser. Et c'est toi qui vas perdre. You will be the loser. C'est toi qui vas perdre. You will be the loser. C'est toi qui vas perdre. You will be the loser. C'est toi qui vas perdre. You will be the loser. C'est toi qui vas perdre. You will be the loser. C'est toi qui vas perdre. You will be the loser. C'est toi qui vas perdre. You will be the loser. C'est toi qui vas perdre. You will be the loser. C'est toi qui vas perdre. You will be the loser. Le Saint-Esprit me dit que la personne ne s'est pas encore levée. The Holy Spirit is telling me that the person has not yet stood up. Il n'est pas parmi ceux qui sont venus là. He's not among those who came up here a while ago. Lève-toi et viens. Stand up and come. Dans bientôt on va arrêter. In a while from now we're going to stop. Lève-toi et viens. Stand up and come. Quand je vais arrêter, when I want to stop, l'Esprit me dit, attends. The Spirit tells me, wait for a while. Ça veut dire que Dieu sait que la personne va se lever. It means that God knows that the person is going to stand up. S'il nous dit d'attendre, if he tells us to wait, il sait que la personne va se lever. I know, or he knows that the person will stand up. Je t'arrache des mains du diable. I snatch you from the hands of the devil. Le
Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Si tu es un rétrograde, if you are a backslider, lève-toi, tu viens. Stand up and come equally. Si tu veux revenir, if you want to come back, lève-toi, tu viens. Stand up and come. Si tu es tombé, if you fell, Michel dit, Mika says, mon ennemi, my enemy, ne te réjouis pas mon sujet. Do not be glad because of me. Si je suis tombé, je vais me relever. If I've fallen, I will stand up all the same. Si je suis assis dans les ténèbres, les ténèbres vont m'éclairer. In the dark places, the Lord will enlighten me. Reviens, 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 reviens. Come home, come back. Reviens, reviens, come back home, come back home. Reviens, reviens, come back home, come back home. Reviens, reviens, come back home, come back home. Reviens, reviens, reviens. Come back home, come back home. Reviens, reviens, come, reviens. Come back home. Reviens, reviens, come reviens. Back home, come back home. Dis à Satan. Tell Satan. Je mets fin à ta joie. I put an end to your joy. Je mets fin à ta joie. I put an end to your joy. Je rentre dans la maison de mon I'm père. Going back to the home of the house of my father. Et tu te lèves, tu viens. And you stand up and come. Tu te lèves, tu viens. You stand up and come. Ora baka sharga baka sharga baka sharga baka kapaka ura ka sanda kapaka ura ka kapaka ura ka kapaka. Écoutez, listen. La personne qui doit venir ne s'est pas encore levée. The person who must have to come hasn't stood up yet. Ora kapaka ura kapaka ura kapaka ura kapaka ura kapaka joro baka go baka joro baka ura kapaka joro baka go baka joro baka. Je t'arrache les mains de Satan. Snatch you from the hands of Satan. Je t'arrache des mains de Satan. I snatch you from the hands of Satan. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Ora kapaka shirga baka shirga baka. Ora kapaka shirga baka shirga baka. Ora kapaka shirga baka. La personne ne sait pas quoi lever. The person still has not stood up. La personne ne sait pas quoi lever. The person hasn't stood up yet. Acclamez pour Jésus. Let's clap for Jesus. Kere kayeka, kere kayeka, kere kayeka. Ora bakashe kere bakasakara bakasakara baka. La personne ne s'est pas encore levée. The person hasn't stood up yet. Ora bakashe kere bakasakara baka. Ora bakashe kere bakasakara baka. Ora bakashe kere 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 baka. Ere bakashe kere baka. Ere kere 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 kere. Ere kashe kere baka. Lève-toi et viens. Stand up and come. Ora bakashe kere malana. Ora bakashe kere malana. Satan, Satan, va-t'en! Be gone! Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Va-t'en! Be gone! Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Ora bakashara 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 bakashara. Ora bakashara 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 bakashara. De la personne ne s'est pas encore levée. The person has still not stood up yet. Si tu refuses, if you refuse, ça va te coûter très cher. It will cost you a lot. Parce que Dieu utilise la patience. Because God uses his patience. Pour que tu sois sauvé. For you to be saved. Ote kere bakaseke, kere bakaseke, kere bakaseke, kere bakaseke. Lève-toi et viens. Stand up and come. Jésus de Nazareth. Jesus of Nazareth. Holy Kabakasaka Bakasaka Uru Bakasaka. Et c'est quelqu'un que Dieu veut délivrer d'un danger. And it is some the person is someone whom God wants to deliver from something from a danger. Et la personne sera délivrée d'un danger. The person will be delivered from danger. Et la personne ne s'est pas encore levée. And the person hasn't stood up yet. La personne ne s'est pas encore levée. The person hasn't stood up yet. La personne ne s'est pas encore levée. The person has not stood up yet. L'esprit le témoigne.
The Spirit testifies. Si tu refuses, if you refuse, on va passer. We'll move on. On va passer. We will move on. Tu refuses. You refuse. On va passer. We will move on. Tu refuses, on va passer. If you refuse, we will move on. Oh, Satan, va-t'en! Au nom de Jésus, je brise tes armes. Je brise tes armes. Je libère tes captifs. And I set free your captives. Je libère les captifs. And I set free your captives. Je libère les captifs. And I set free your captives. Je libère les captifs. And I set free your captives. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Disons merci au Saint-Esprit. Let's tell the Holy Spirit, thank you. Dis au Saint-Esprit merci. Tell the Holy Spirit, thank you. Merci Saint-Esprit. Says, Holy Spirit, thank you. Dis merci Saint-Esprit. Say, Holy Spirit, thank you. Acclamons Jésus-Christ. Let us clap for Jesus Christ. Qui vient de prendre l'engagement
qui est encore assis, lève-toi, tu viens. And who has taken the, a commitment already but is still seated, stand up and come. Il y a quelqu'un qui vient de prendre l'engagement. There's someone who has just decided. Lève-toi, tu viens. Stand up and come as well. Lève-toi, tu viens. Stand up and come. Dans 5 minutes, on va arrêter. In 5 minutes, we're going to stop. Dans 5 minutes, in 5 minutes, on arrête. We will stop. Lève-toi, tu viens. Stand up and come. Dans 5 minutes, in 5 minutes, dans 4 minutes. In 4 minutes. Dans 4 minutes. In 4 minutes. Dans 3 minutes. In 3 minutes. Dans 3 minutes. In 3 minutes. Dans 2 minutes. In 2 minutes. Lève-toi, tu viens. Stand up and come. Dans une minute. In 1 minute. Acclamation à Jésus-Christ. A clap offered to Jesus Christ. Très fort. Much louder. Merci. Thank you. Levez vos mains. Raise up your hands. Dis Jésus-Christ. Say Jesus Christ. Aloud. Dis Jésus-Christ. Jesus Christ. J'ai vu la lumière. I have seen the light. Je quitte les ténèbres. I come out of darkness. Je viens à ta lumière. I come to your light. Je quitte les ténèbres. I come out of darkness. Je viens à ta lumière. I come to your light. Je quitte les ténèbres. I come out of darkness. Je viens à ta lumière. I come to your light. Je quitte la puissance du diable. I come out of the power of the devil. Et je viens à toi. And I come to you. Je viens à toi. And I come to you. Je viens à toi. And I come to you. Pour t'aimer. To love you. Pour te servir. To serve you. Tu veux que je me repente. You want me to repent. Je te demande pardon. I ask you to je ne veux plus recommencer. I will no longer start. Je quitte les ténèbres. I come out of darkness. J'entre dans la lumière. I enter into light. Je quitte les ténèbres. I come out of darkness. J'entre dans ta lumière. I enter into your light. Je quitte les ténèbres. I come out of darkness. J'entre dans ta lumière. And I enter into your light. Lave-moi, Seigneur. Wash me, Lord. Purifie-moi, Seigneur. Purify me, Lord. Sanctifie-moi, Seigneur. Sanctify me, Lord. Pose les mains sur ta tête. Place your hands on your head. Dis, je viens avec des maladies, Seigneur. So, Lord, I'm coming with my diseases. Guéris-moi, guéris-moi. Heal me, heal me, heal me. Guéris-moi. Heal me. Guéris-moi. Heal me. Je viens avec des fardeaux.
Des fardeaux. From my burdens, from burdens. Libère-moi. Set me free. Libère-moi. Set me free. Libère-moi. Set me free. J'accepte. I accept. Qu'on me sépare de la sorcellerie. That I be separated from sorcery. De la famille de mon père et ma mère. I be separated from the family of my father and my mother. I accept. Qu'on me sépare des malédictions. I be separated from curses. Des malédictions de ma famille. The curses of my family. Du côté de mon père et du côté de la mère. From my mother's side and my father's side. Je suis membre de ton corps. I'm a member of your body. Je vais te servir tous les jours de ma vie. I'm going to serve you the rest of the days of my life. Amen. Amen. Acclamation. A clap. Écoutez les conseils. Now listen to the counsel. Nous allons descendre au hall du bas pour les conseils. We shall go down to the hall below at the basement for counseling. Ceux qui les ont invités, those who invited them, et tous les conseillers, and all the counselors, nous en aurons besoin. We need as many counselors as possible. Descendons en grand nombre au hall du bas. We are going down there at the basement. Je m'adresse aux conseillers. I'm talking to the counselors. Nous descendons ensemble au hall du bas. We go down to the basement s'il together. Vous plaît. Please. Écoutez. Listen. Est-ce qu'il y a parmi les invités is there anyone among the invitees? Quelqu'un qui a reçu par le Saint-Esprit de devenir membre de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Someone who received by the Holy from the Holy Spirit to become a member of Christian Missionary Fellowship International. L'Esprit te dit ça. The Spirit tells you. Lève la main. If you are the person, raise up your hand. Oui, venez. Yes, please come. Oui, viens ici. Monte. Viens. Si Dieu t'a parlé, if God has spoken to you, par le Saint-Esprit, through the Holy Spirit, il a imprimé en toi la conviction de devenir membre de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Viens ici. He has put in you, impressed in you the conviction of becoming a member of Christian Missionary Fellowship International. Come forward now. Écoutez. Listen. La parole de Dieu dit. The word of God says. Et c'est Dieu qui parle. And it is God speaking. Je vous donnerai des bergers. I will give you shepherds. Qui vous paîtront avec sagesse et avec intelligence. Who will shepherd you with wisdom. Quand Dieu veut créer la révolution. When God wants to produce a revolution. Dans la vie d'un homme. In the life of a man. Il lui donne des bergers. He gives him shepherds. Il ne lui donne pas une religion. Il ne lui donne pas une religion. He doesn't give him a religion. Il lui donne des bergers. He gives him shepherds. Intelligent, intelligent, qui comprennent ses fardeaux, who understand his burdens, qui peuvent le bâtir, who can build him up. Ça arrive. It happens. C'est une promesse. It is a promise. J'aimerais savoir. I want to know. Tous ceux qui sont concernés par cette promesse dans leur cœur maintenant. All those who are concerned by this promise in their hearts right now. Lève-toi, tu viens. Stand up, please, and come. Si l'Esprit te dit, if the Spirit tells you, tu es désormais, you are from now on, membre de cette église là, a member of this church, lève-toi et viens. Stand up and come. Ok. Allez vers le grand pasteur. Marchez. Qui autre? Who else? Tu as reçu. You have received que tu dois devenir membre de la CMFI. That you must have to become a member of CMFI. Qui autre? Who else? Si Dieu te parle, if God is talking to ne you, ne résiste pas. Do not resist. Ils seront bénis. They will be blessed. Accompagne là. Qui connaît le chemin là où le frère Carré est parti? Voilà. Qui autre? Rapidement. C'est la. Who même. Else? Very rapidly.
Ici, c'est ici. Hein. Tous les jours, dans cette salle, il y a une réunion des jeunes convertis à 16h30. Every day in this hall, there's a young convert meeting that starts at from 4 p.m. Tous les jours. Every day. Ici. In this hall. Sois concentré. Please be stay focused. Dis à Dieu. Tell God. Délivre-moi de mon ennemi. Deliver me from my enemy. Qui est plus fort que moi. Who is stronger than I. Cause avec Dieu. Prends le temps. Take some time and converse with God. Ne sois pas distrait. Cause. Do not be distracted. Parle-lui comme s'il était assis devant toi. Talk to him as if he was sitting right in front of you. Ton père va agir. Your father will act. Il y a des choses qui sont au-dessus de la force humaine. There are things that are above human strength. Appelle Dieu. Call on God. Ça peut concerner d'autres personnes. It may concern, it may have to do with some other person. Tu peux poser un problème à Dieu qui ne te concerne pas directement. You can tell God something, a problem that does not concern you directly. Pendant que je préparais la rencontre, j'étais affligé par le nombre de personnes qui sont malades. When I was preparing this encounter, I was afflicted by the number of people who are sick. Ce soir, c'est la guerre contre les maladies. Tonight, it is war against sicknesses. Et des maladies. And sicknesses. Rebel. They reveal. Or they rebel, rather. Dieu a la solution. God has the answer. Commence à appeler Dieu au secours. Begin to call on God to come to your help. Les hémorroïdes. Hémorroïdes. Même le nom de la maladie même est. Even the name of the sickness itself is frightful, hemorrhoid. Les fibromes. Fibros. Les myomes. Cysts. Les myomes. What we call in French myomes. C'est quand il y a beaucoup de petits fibromes. And when there are so very many fibres, ça remplit le ventre. On pense que tu es enceinte. They fill the womb and one thinks that you are pregnant. Le Seigneur a la solution. The Lord has the answer. Le Seigneur a la solution. The Lord has the answer. Même si c'est un mal mystique. Even if it's a pain that is mystical. À l'hôpital, tous les examens sont négatifs. In the hospital, all the tests they carry out, everything is negative. Pourtant, tu souffres. Meanwhile, you are suffering. Parle à Dieu.
Talk to God. Dis-lui, c'est toi qui m'as créé. Tell him you are the one who created me. Tu peux me sauver. You know, certaines personnes. Some people. Les anges vont descendre même dans cette salle. Angels will come, even in this hall, will come down. J'ai dit de parler à Dieu. Ne soyez pas passif. Le combat a commencé. Do not be passive. I'm asking parle de ta situation talk à Dieu. God. Talk with God. Confess with God. Ne prends pas une position qui va te faire dormir. Do not take a position that will bring you to sleep. Parle. Cause avec lui. Confess with God. Tout ce qui te préoccupe, all that which preoccupies you, que tu es dedans, tu souffres. But meanwhile, you are suffering inside you. Parle à ton père. Tell your father all this. Même si c'est le cancer des seins, even if it is breast cancer, si Jésus t'exauce, if Jesus answers you, ça c'est réglé. It will be settled. C'est réglé. Si tu n'as pas de problème, tu pries pour les autres. If you don't have any problem, please pray for others. Tu pries pour les autres. You pray for the others. Mais tu parles à ton père. And you talk to your father. Je n'ai pas dit de prier dans le cœur. I'm not asking parler, that you pray in your heart. You talk, parole you talk, you speak out. Because words create. Et tu dois avoir la foi. And you must have to have faith. À partir de ce que tu es en train de faire, from what you are doing, Dieu peut agir. God can act.
et il va agir. And he will act. Dieu oh Père. Say, oh Father. Délivre-moi. Deliver me. De mon ennemi. From my enemy. Qui est plus fort que moi. Who is much stronger than I. Continue à prier. Continue to pray. Oh Père, so oh Father, délivre-moi, deliver me, de mon ennemi, from my enemy, plus fort que moi, who is stronger than I. Continue à prier, continue to pray. Prions en langue. Let us pray in tongues. So, oh Father, deliver me. Deliver me de mon ennemi. From my enemy, de mon adversaire, plus fort que moi. Deliver me from my adversary who is stronger than I. Plus fort que moi. Stronger than I. Continue à prier en langue. Continue to pray in tongues. Dieu, oh Père, say, oh Father, brise le joug de la maladie. Break the yoke of sickness. Brise le règne de la maladie. Break the reign of sickness. Les petites maladies. Small sicknesses. Les grandes maladies. Big sicknesses. Des maladies révélées. Diseases that have been revealed. Et les maladies cachées.
and hidden diseases. Les maladies révélées. Revealed sicknesses. Et les maladies cachées. And hidden sicknesses. Les maladies révélées. Revealed sicknesses. Et les maladies cachées. And hidden sicknesses. Brise le règne de la maladie. Break the reign of diseases. Toute maladie, toute maladie. Every disease, every disease, every disease, every disease, every disease, every disease. Toute maladie. Every disease. Toute maladie. Every disease. Continue à prier. Continue to pray. Oh Père, oh Father, brise, break le règne de la maladie, the reign of sickness, le règne de la maladie, the reign of sickness, le règne de la maladie, the reign of sickness. Prie en langue, pray in tongues. Dis, oh Père, oh Father, il est écrit, it is written, par ses maîtrisures, by his stripes, nous sommes guéris. We were healed. Par ses maîtrisures, by his stripes, nous sommes guéris. We were healed. Par ses maîtrisures, by his stripes, nous sommes guéris. We were healed. Continue à parler à Dieu. Continue to talk to him. Oh Father. By his stripes we were healed. 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 Dis, oh Père, oh Father, même s'il faut changer les organes, even if organs have to be changed, fais-le, do so, par ta miséricorde, by your mercy, même s'il faut changer les organes, even if organs have to be changed, fais-le, Lord, do it, par ta miséricorde, in your mercy, brise le règne de la maladie, break the reign of disease, brise le règne de la maladie, break the reign of sickness, brise le règne de la maladie, break the reign of sickness. Et désorganise l'empire du diable. Disorganise the empire of the devil. L'empire du diable. The empire of the devil. Qui s'occupe de la maladie. That handles sicknesses. Qui soit désorganisé. That it be disorganized. Qui soit renversé. That it be overthrown. Désorganisé. Disorganized. Renversé. Overthrown. Désorganisé. Disorganized. Renversé. Overthrown. Brise le joug de la maladie. Break the yoke of sickness. Délivre-nous de l'angoisse. Deliver us from agony. La frayeur. Fear. Que nous inspire les maladies. That inspires sicknesses. L'angoisse, la frayeur. Agony, fear. La peur. Fear. Le traumatisme. Traumatism. Que nous inspire les maladies. That inspires all our sicknesses. Que nous inspire les maladies. That inspires all our sicknesses. Continue à parler à Dieu. Continue to talk to God. Parle et crois. Tu ne rentres pas avec la maladie. Speak and believe, you must not go home with sickness.
Pose les mains sur ta tête. Place your hands on your head. Dis, je proclame. I proclaim. Qu'il est écrit. It is written. C'est par ces maîtrisures que vous êtes guéri. It is by his stripes that we're healed. Par ces maîtrisures nous sommes guéris. By his stripes we were healed. Par ces maîtrisures nous sommes guéris. By his stripes we're healed. Si tu connais ta maladie, if you know, si tu connais le nom de la maladie, if you know the name of your disease, quand on va prier, tu dis le nom. When we are going to pray, you cite the si name tu of your connais pas, name. Si tu ne connais pas le nom, if you don't know the name, tu dis maladie. Just say sickness. Qui touche ma tête? That touches, that affects my head or my leg. Ou bien le ventre? Or my stomach. Te commande de me quitter. And you begin to. Je te commande de me quitter. I command you to be gone. Parce qu'il est écrit. Because it is written. Que par les maîtrisures. That by his stripes. Les maîtrisures de Jésus. The stripes of Jesus. Nous sommes guéris. We are healed. Il est écrit. It is written. Que par les maîtrisures de Christ. That by the stripes of Christ. Nous sommes guéris. We are healed. Il est écrit. It is written. Que par les maîtrisures de Christ. Nous sommes guéris. We were healed. Nous sommes guéris. We were healed. Nous sommes guéris. We were healed. Continue à proclamer. Continue to pray. Continue to proclaim. Tiens-toi debout. Stand up. La foi, faith, que Dieu t'a donné, that the faith that God has given you, peut te rendre riche. Can make you to be rich. C'est ça que tu vas utiliser maintenant. That's what we are going to use now. Toute maladie. Every disease. Le cancer. Cancer. Le sida. Le sida. Les hépatites. Les hépatites. Les insuffisances rénales. Kidney problems. Les ulcères. Les ulcers. Les hémorroïdes. Hémorroïdes. Les fibromes. Fibroids. Les myomes. Myomes. Le glaucome. Glaucoma. Cataracte. Cataracte. Dis les maux de tête chroniques. C'est chronic headache. Les maux de tête chroniques. Chronic headache. Le cancer du sein. Breast cancer. Cancer du col de l'utérus. Cancer of the cervix. Cancer de la prostate. Prostate cancer. Nous vous chassons. We cast out. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Toute maladie. Every sickness. Parce que Jésus est mort à la croix. Jesus died on the cross. Les mal de nerfs. The nerve pains. Ça c'est le moment où. This
is the time when tu peux jeter ta canne, tu commences à marcher. Throw your walking stick and begin to walk. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Par ses maîtrisures. By his stripes. Nous sommes guéris. We were healed. Guéris. De toute maladie. Of every de toute maladie. Of every disease. De toute maladie. Of every disease. De la tête. From the head. Jusqu'à la plante du pied. To the source of the feet. De la tête. From the head. Jusqu'à la plante du pied. To the source of the feet. Toute maladie. Every toute maladie. Every toute maladie. Every toute maladie. Toute maladie. Toute maladie. Dis au nom de Jésus. In the name of Jesus. Toute maladie. Every disease. Dis en Jésus Christ. Saint Jesus Christ. Il n'y a pas de maladie incurable. Incurable disease. Dans Jésus Christ. In Jesus Christ. Il n'y a pas de maladie incurable. Incurable disease. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous jugeons le cancer. We judge cancer. Nous jugeons le cancer. We judge cancer. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Nous commandons qu'il disparaisse. I will command it to disappear. Disappear. Dieu, au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Nous jugeons le diabète. We judge diabetes. Nous jugeons le diabète. We judge diabetes. Nous chassons le diabète. We cast diabetes out. De tout corps. From everybody. Partout. Everywhere. Où le diabète est logé. Wait. Sort. It is. Et va-t'en. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus, la dépression, dépression, va-t'en, au nom de Jésus Christ. Insuffisance rénale. Insuffisance rénale. Insuffisance rénale. Insuffisance rénale. Va-t'en. Va-t'en. Quitte tout corps. Leave everybody. Que tu possèdes. That you possess. Brisons ton joug. We break your yoke. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Et prie en langue. Pray in tongues. C'est une vraie guerre contre la maladie. C'est une vraie guerre contre la maladie. It's a treatment against disease. C'est une vraie guerre. It's a real war, a real battle. Contre la maladie. Against sicknesses. Dis ulcère. Va-t'en. Nous te chassons de tout corps. Au nom de Jésus Christ. Épilepsie. Nous te chassons. Va. Because. Et ne reviens plus. Va. Because. Ne reviens plus. And never come back. Continue à prier. Nous libérons toute femme tenue captive. Continue à prier, Si tu ne vois pas, if you don't believe, si tu ne vois pas, if you don't, if you are not seeing, ouvre tes yeux, open your eyes, et vois, and see, au nom de Jésus, in the name of Jesus, vois, see, vois, see, vois, see.
Au nom de Jésus-Christ. Continue à prier. Continue à prier. Nous ouvrons ton oreille droite. Nous ouvrons ton oreille gauche. Nous ouvrons l'oreille droite. Nous ouvrons l'oreille gauche. Nous ouvrons l'oreille droite. Nous ouvrons l'oreille gauche. Au nom de Jésus-Christ. Continue à prier. Mot dedans. Partez. Mot dedans. Drépanocytose, va-t'en. Sickle cell, be gone. Va-t'en. Be gone, sickle cell, be gone. Continue à prier, continue to pray, continue to pray. Dieu au nom de Jésus, nous entrons dans le royaume de la maladie. Nous entrons dans le royaume de la maladie. We now go to the kingdom. Nous renversons ce royaume. We overthrow this kingdom. Nous balayons des maladies. We banish this maladies abîmes. We banish sickness into the abyss. Nous renversons ce royaume. We overthrow this kingdom. Nous brisons l'emprise des maladies. We break the chains of sicknesses. Nous dispersons les démons. We scatter demons. Derrière les maladies. We disperse demons behind these sicknesses. Des princes aux petits démons. From the prince to the small nous, demons. Nous les renversons. We overthrow them. Nous brisons le trône. We break the throne. Nous dispersons les troupes. We disperse them. Nous déclarons guéri. We declare healed. Toute personne malade. Every sick person. Guéri. Guéri. Continue à prier en langue. Paralysis. Va-t'en. Be gone. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Continue à prier. Continue to pray. Atrose. Atrose. Disparaît. Disappear. Que tous les os guérissent. Que toutes les articulations guérissent. Que toutes les articulations guérissent. May all the joints be healed. Que les vertèbres soient guéries. Que la colonne vertébrale se redresse. May the vertebral column be stretched. Que la colonne vertébrale se redresse. May the vertebral column be stretched. Que tous ceux qui sont tordus soient redressés. All those who have been twisted be redressés. Redressez. Continue à prier. Continue to pray. Que tous les kystes disparaissent. Les boules et les kystes. Les boules. Elles disparaissent. Disappear. Que toutes les boules disparaissent. Let all lumps disappear. Que toutes les boules disparaissent. Let all lumps disappear. Hémorroïdes. Disparaissent. Disappear. Hémorroïdes. Hémorroïdes. Disparaissent. Disappear.
continue à prier. Dieu, au nom de Jésus, si on a mis des objets envoûtés dans le corps de quelqu'un, pour qu'il tombe malade, for him to get sick always, il est mal au genou ou bien à la hanche, suffering from pain in ou bien à la tête, tomorrow in the head, nous jugeons ces objets, we judge these objects, nous les chassons, we cast them out, nous les sortons de tout corps, we can't bring them out nous les enlevons, we remove them, nous les extirpons. We start. Et nous déclarons guéri, 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 guéri. Let all those who are sick in the heart soit guéri. Be healed. Que toutes les maladies du cœur. All jugé, guéri. Healed. Toutes les maladies du cœur. All sick in the heart. Toutes les maladies du cœur. All the heart diseases. Nous vous chassons de tout corps. We cast out of everybody. Partez, ne revenez plus. Be gone and never come back again. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Continue à prier. Continue to pray. Dieu, au nom de Jésus, stérilité masculine, masculine stérilité, stérilité masculine, masculine stérilité, nous te chassons, we cast you out. Nous te chassons, we cast you out. Stérilité féminine, feminine spirit, nous te chassons, we cast you out. Nous te chassons, we cast you out. Nous ouvrons les trompes droites, les trompes gauches, and we open the left and nous ouvrons les trompes, les trompes, les trompes. The left tube, nous ouvrons les trompes, nous ouvrons les trompes. We open the tubes. La trompe droite, la trompe gauche. Left tube, the right tube. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Continue à prier en langue. Continue to pray in tongues. Continue à prier en langue. Continue to pray in tongues. Le Seigneur est en train de travailler. The Lord is at work. Dans ton corps. In your body. Le Seigneur travaille. The Lord is at work. Dans le corps. In the body. Le Seigneur travaille. The Lord is at work. Dans le corps. In the body. Dans le corps. In the body. Dans le corps. In the body. Dans le corps. Trouble respiratoire. Partez. Que tout soit restauré, tout soit restauré, tout soit restauré. Incontinence urinaire. Va-t'en. Incontinence. Urinary diseases. Inability to contain urine. Partez. Be gone. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Continue à prier. Continue to pray. Tu commences à faire les mouvements que tu ne faisais pas. Now try to do the movement that you could not do before. Acclamons Jésus Christ. Let us clap for Jesus Christ. Merci. Thank you. Fais les mouvements que tu ne faisais pas. Do the things you could not do before. The movement you couldn't carry out before. Mets ta foi en pratique.
Tu as prié par la foi, reçois par la foi. Receive by faith. You prayed by faith, receive by faith. Qui a constaté sa guérison? Who has noticed that he's healed? Lève la main. Take up your hand. Oui, viens rendre témoignage. Viens rapidement, ça fait partie de. It is part of the warfare. Gloire à Dieu. Amen. Moi, c'est Numa Megan. Hier, on a fait mon brisement de lien. Pendant que j'étais dans le jeûne de 3 jours... Non. On veut ce qui s'est passé tout de suite. Je suis venue aujourd'hui dans la salle, j'avais le palu, j'avais fortement le palu et j'avais mal dans les articulations. Ça n'allait pas, j'étais fatiguée. Mais pendant qu'on priait, j'ai senti juste le palu quitter mon corps, je bougeais. Acclamation. Suivant. Next. Et ce n'est pas une pause, c'est le combat qui continue. Tu restes concentré, mais avec un cœur qui contemple la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Le matin, j'ai constaté que j'avais encore attrapé une allergie parce que j'ai fréquemment des problèmes de peau. Quand je venais, ça faisait très mal au niveau d'ici, à côté de mes narines jusqu'en bas de ma bouche. Il y avait même les cicatrices là, comme ça. Quand on a prié pour les problèmes de peau, j'ai prié de toutes mes forces. Et gloire à Dieu, je n'ai plus mal. Gloire acclamation. À Dieu. Suivant. Venez rapidement glorifier Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je me nomme Mpé Abidias. Je suis venu avec un mal. En fait, j'ai fait un AVC et je sentais mon côté gauche qui je n'avais pas j'avais des difficultés à mouvoir. Et depuis que je suis ici, depuis la première journée de la croisade, dès qu'on commence la prière, je commence à sentir une douleur, une forte douleur. Presque tous les 4 jours, 5 jours que j'ai fait ici, je sentais toujours la douleur, mais je ne sentais pas le mal disparaître. Mais aujourd'hui, je ne pouvais même pas sauter. Jésus-Christ, le voilà. Je saute même avec le pied gauche. Adorsimbi, le miracle se produit. Amen. Que le Seigneur soit loué. Adorsimbi, nous vivons les miracles de Jésus-Christ. Acclamation. Oui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Moi, j'ai 2 témoignages sur moi-même. Même s'il sera un peu long, vous allez supporter. C'est parce que c'est au nom de Jésus, je ne dure pas. J'ai fait un accident. Non, c'est-à-dire, ne nous effraie pas. Raccourcis ça rapidement oui, pour que beaucoup de personnes, voilà. OK. D'accord. Je suis venu ici. Le premier jour où la croisade a commencé, il y a une femme qui a dit... Il y a dans la salle un monsieur. Dieu lui a révélé qu'il y a un monsieur qui a une blessure à la cheville qui a fait des années. Et cette personne, c'est moi. Offrant d'acclamation. Acclamation offering. Jésus-Christ. Jesus Christ. Fait des merveilles. Il performe wonders. Où est la sœur qui avait prophétisé? Viens, l'histoire s'écrit au présent. Lorsque je suis rentré à la maison. Là voilà, ce n'est pas une féticheuse. Elle a parlé par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et voilà le témoin qui vient dire que c'était lui. Acclamation à Jésus-Christ. Jésus. Ok. Et quand je suis. Non, je continue. Et quand je suis rentré. J'ai ouvert pour faire le pansement. J'ai vu dans la plaie, il y avait comme un petit endroit où c'était du coton. Je ne faisais que tirer cet endroit. Et j'ai commencé à voir la cicatrisation sur mon pied. Jésus-Christ. Jesus Christ. Et hier, lorsqu'on libérait les captifs des prisons spirituelles, ça me faisait comme si c'était mon imagination. Alors, je me suis retrouvé dans cette cage
ce n'était pas moi physiquement, c'était ma photo. Là-bas, il y avait deux photos et cette cage, j'étais bien avec des grilles comme ça, bien dallées. Lorsqu'on priait, on libérait les captifs, c'est comme si un vent a soufflé et ma photo s'est envolée comme le papier quand on le jette et est sortie et montée au ciel. Jésus-Christ. Jesus Christ. Donc, ça, je sens aujourd'hui que je suis libre et en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Acclamation à Jésus de Nazareth. Jesus Christ of Nazareth. Qui opère des miracles et des prodiges. He performs miracles and wonders. Il n'a pas changé. He hasn't changed. Chers invités, c'est pour ça qu'on a écrit Jésus n'a pas changé. Dear invitees, for that reason we wrote that Jesus has not changed. Suivant, suivant. Next. Gloire à Dieu. Amen. Je suis venu ici au cinquième jour de la croisade et j'ai fait la prière normalement. Je suis rentrée avec ma mère. Le matin, j'ai dit à ma mère que j'ai fait un rêve. Ce rêve, c'était quoi? Il y avait des personnes autour de moi, je ne les voyais pas et ils ne priaient même pas. J'ai seulement vu comme ils ont sorti une boule de mon ventre et un fœtus mort. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Désenvoûté. La voilà qui est un témoignage pour la gloire de Jésus. Deliver from bewitchment. There she is. Ce n'est pas un esprit. It's not a spirit. C'est une sœur en Christ. It's a sister in Christ. Désenvoûtée. Set free from bewitchment. L'hôpital ne pouvait pas l'aider. The hospital could not help her. Et maintenant, quand je dis à ma maman, maman me dit, comme tu souffrais des myomes là, ça doit être des myomes que tu es guéri. J'ai dit amen. Et je ne suis pas venue hier. Je suis en aujourd'hui. Et pendant qu'on priait, je tiens à préciser que je souffre des myomes depuis 8 ans aujourd'hui. Pendant qu'on priait, lorsqu'on a touché le point des myomes, j'ai eu très mal au ventre. Et on m'a porté, on m'a amené là où on prie. Je bénis l'Éternel parce que je le ressens plus. Jésus Christ. Jesus Christ. Je ne ressens plus cette masse que j'avais au ventre. Cette masse a complètement disparu. Jésus Christ. Jesus Christ. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Dis Seigneur. Say Lord. Délivre-moi de mon adversaire. Deliver me from the hand of my adversary. Plus fort que moi. Who is stronger than I. Qui d'autre sent sa guérison? Who else? Is feeling that he or she has been healed. Saint-Esprit est en train de travailler. The Holy Spirit is at work. Il peut opérer. He may carry out an operation on you on the spot. Et enlever le mal. And remove the pain. Vas-y. Gloire à Dieu. Amen. On m'a opéré mardi passé. Je parvenais pas à faire le mouvement avec le ventre. On me disait que non, reste à la maison, ne pars pas à la croisade. Mais hier, j'ai insisté, je suis venue à la croisade. Et j'étais vraiment visitée et les douleurs ont baissé. Aujourd'hui encore, j'y suis encore arrivée ici. Au moment qu'on priait pour les myomes, pour les Christes, le ventre était ballonné. Maintenant, je parviens à envoyer le ventre à l'intérieur et je retire sans problème, sans douleur. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jésus Christ. Acclamation à Éclame Jésus. To Jesus. Suivant. Next. Gloire à Jésus-Christ. Pendant que nous écoutons le témoignage, as we listen to the testimony, le royaume des maladies est en train de s'écrouler. The kingdom of sicknesses is being dismantled. Et beaucoup vont entrer dans la guérison, dans la salle même. And many will enter into that healing. Continue à glorifier Jésus. Now continue to glorify Jesus. Gloire à Jésus-Christ. Amen. J'ai commencé à avoir mal à la tête depuis le début de la campagne et surtout à l'heure même de la campagne. Ce qui fait que quand je viens à la campagne, c'est là où ma tête, surtout à ce niveau, je sens une douleur qui n'a pas de nom.
Et même aujourd'hui, j'ai eu encore cette douleur et elle était intense. Pendant que nous sommes en train de prier, la douleur est partie totalement. Je voudrais bénir le Seigneur pour cela. Acclamez Jésus de Nazareth. Clap for Jesus, clap for Jesus. Clap for Jesus. Bonne nouvelle. Gloire à Dieu. J'avais mal aux yeux. Ce qui fait que la dernière fois qu'on a fait la campagne de la Hope Clinic, j'ai eu à payer les lunettes de lecture. Je ne pouvais pas lire les petits chiffres. Tout à l'heure, quand on priait, j'ai imposé les mains sur mes yeux. J'ai dit au Seigneur, le frère Ménia a demandé qu'on ouvre les yeux. J'ai ouvert les yeux. Et après avoir ouvert les yeux, j'ai senti, je n'avais plus mal au nez. Parce que quand je mettais trop les lunettes de lecture, j'avais mal au nez. Et le nomade de nez a totalement disparu. J'ai senti, ma vue est devenue encore plus claire. Acclamation à Jésus de Nazareth. Of Nazareth. Il n'a pas changé. He hasn't changed. Jésus de Nazareth. Jesus of Nazareth. Il guérit aujourd'hui. He heals today. Comme hier à Capernaum. As it did yesterday in Capernaum. Gloire à Dieu. Amen. Et j'ai même testé. J'étais en train de lire la Bible, les petites écritures, pour être sûr avant de venir confirmer la guérison. Gloire à Dieu. Jésus Christ. Suivant. Jesus Christ. Next. Viens glorifier Jésus. Come and glorify Jesus. Gloire à Dieu. Amen. Mon témoignage, c'est qu'il y a de cela, depuis en juin, lors de la croisade de la Côte d'Ivoire, pendant qu'on priait, un soir, j'ai eu un songe où j'ai été attaqué par 4 hommes. Un me tailladait avec le couteau et versait un liquide sur mon dos, sur mon corps, sur les blessures. Et en disant, quand elle va mourir, on va dire, c'est le bois, le serpent qui l'a mordu. Quelques jours après, j'ai commencé à sentir très mal au dos, très mal au point où je ne pouvais faire aucun mouvement. Et ça montait dans mon corps, dans mon cœur, que je dois prendre la canne. Donc, en moins d'un, je commençais à marcher avec la canne. Je ne pouvais faire aucun mouvement, je ne pouvais même pas porter un seau d'eau. Quand on a commencé la croisade ici, j'ai élevé le problème à Dieu. J'ai commencé à prier, la douleur a commencé à baisser. Mais ce soir, en priant, j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas témoigner parce que c'est vrai, la douleur a baissé, mais j'ai encore mal, je ne peux pas me courber. Il faut que, pour que je rende témoignage, il faut que la petite douleur qui reste la quitte. Et maintenant, je peux me courber. Jésus-Christ. Jesus Christ. Je suis guérie. Tu es protégé, caché dans le sang de Christ. Alléluia. Que les armes de ceux qui t'ont attaqué soient brisées. Amen. Qu'ils ne les utilisent plus même contre une autre personne. Amen. Amen. Suivant. Next. Jésus n'a pas changé. Jesus hasn't changed. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Je suis là depuis le premier jour de la croisade. Voici mon 7e jour. Amen. Depuis le 13 juin, en bref, je suis malade et je souffre d'un mal au cou qui me faisait croire que c'était le mal du nez. Ça me menaçait tellement, les palpitations. Et j'ai parcouru les hôpitaux, bon ensemble, partout, on ne voyait rien. On me disait qu'on ne voit pas ce qui est à l'origine de ton mal. Ce qui m'a marqué hier, c'est que quand je suis quittée ici hier, je suis passée directement à l'hôpital parce que le mal continuait à me menacer. Je suis passée à l'hôpital, on a fait les échographies, on a découvert que j'avais les masses dans le cou. Gloire à Dieu. Amen. Ma maladie a été révélée, longtemps cachée, dans des grands hôpitaux à la Kensigny, mais hier ça a été découvert. Et avant le 10e jour, je serai guérie au nom de Jésus. Pourquoi tu n'es pas guérie aujourd'hui? C'est ça. Bon, équipe de délivrance. The deliverance team, please. Suivant. Gloire à Dieu. Encore 3 témoignages. More testimonies. Depuis peut-être 5 mois, mon cycle menstruel me dérange beaucoup, donc je saigne après chaque semaine. Donc, en 1 heure, on peut saigner 3 fois. Et ça me, chaque fois, j'ai toujours des règles douloureuses, sérieusement. Donc, j'ai sérieusement mal.
Je suis venue à la campagne. Pendant la campagne, ça a commencé et ça faisait sérieusement mal. J'ai un flux abondant et j'ai des douleurs sérieuses. J'ai élevé le problème à Dieu avant-hier et vraiment depuis hier, je passe mes journées. J'oublie même que je suis en période, je ne sais pas, et ça ne m'arrivait jamais. Même avant, quand je saignais normalement, j'avais toujours les règles douloureuses, mais depuis hier jusqu'à aujourd'hui, vraiment, je passe vraiment des journées agréables et je dis vraiment merci au Seigneur. Jésus-Christ. Amen. Amen. Jesus Christ. Gloire à Dieu. Amen. Hier, on était en train de prier pour les envoûtements et ceux qui étaient dans les prisons spirituelles. Et pendant qu'on priait, je me sentais un peu bizarre. Mais je suis rentré dans la nuit, j'ai eu un songe où il y a un voleur qui est venu avec un couteau. Et ce couteau, il a caché derrière notre mur. La moto de mon père était au couloir de la maison. Et il est venu pour voler la moto et nous tuer et partir. Mais subitement, quelque chose m'a réveillé et je me suis levé. Je l'ai vu comment il avançait. Il ne m'a pas vu. Il venait pour nous tuer. Je suis venu auprès de lui et je l'ai assommé. Directement, il est devenu une souris. Et son même couteau qu'il était venu pour nous tuer avec, c'est avec ça que j'ai pris. Je l'ai visé avec et son cou, sa tête s'est coupée. Je l'ai taillé en pièces. Suivant. Next. Gloire à Dieu. Amen. Je remercie infiniment le Seigneur. Écoutez. Listen, please. Gloire à Dieu. Je remercie infiniment le Seigneur qui est parmi nous. Amen. Depuis le premier jour de la croisade. Approche le micro de la bouche. Okay. Depuis le premier jour de la croisade, quand on a prié, le pasteur Ménia a prié pour l'esprit de mort. Je priais. Dans la nuit, j'ai eu un songe dans lequel j'étais debout en vêtements blancs, comparable à un mort. Il y avait les gens en noir tout autour de moi. Quand j'ai eu à expliquer le rêve, on m'a dit que le Seigneur m'a délivré de l'esprit de mort. Gloire à Dieu. Amen. Et mardi, quand on priait, je crois bien que c'est le pasteur Michael qui priait. Il priait pour les esprits des ancêtres qui nous ont enfermés et tout ça. J'ai eu une vision dans laquelle j'étais debout. Il y avait une porte devant moi et il y avait une porte à ma gauche. Je n'avais pas d'issue pour sortir. Et là où j'étais, il y avait un mur derrière moi. Donc, j'étais bloquée sur tous les côtés. J'ai juste vu comment le sol s'est ouvert sous mes pieds. Et je suis descendue. J'étais libérée. Gloire à Dieu. Amen. Et je remercie encore le Seigneur parce que hier, j'ai eu deux visions. La première vision, j'ai vu comment, quand le pasteur était en train de prier pour la sorcellerie et tout avec les ancêtres, j'ai reçu comment le Seigneur me montrait les tombes. En art de siècle, les tombes étaient, il y avait deux pierres qui étaient au-dessus des tombes. J'ai vu comment une première tombe s'est ouverte et c'est une sœur avec qui j'étais au dortoir. Elle était en vêtements blancs avec du coton dans ses narines. Et les autres, après elle, les autres tombes se sont mises à s'ouvrir, ainsi de suite, comme un art de toutes les autres tombes. Et c'était dans un cimetière. Acclamation à Jésus-Christ. C'était dans un cimetière. Quand on voyait l'état des tombes, on sentait vraiment que c'était des tombes anciennes, puisqu'il y avait déjà de la mousse au-dessus. Et la deuxième révélation que j'ai eue, c'est quand le pasteur priait pour la stérilité et tout ça. J'ai rêvé d'abord comment il y avait un médecin qui avait un bébé en main. Il était costaud, bien portant. Après, j'ai vu des femmes alignées sur des lits d'hôpital, elles étaient enceintes, avec des ventres énormes. Quand on voyait la grosseur du ventre, on sentait que c'est à partir même de 5 bébés qui vont sortir de leur ventre. Elles étaient en train d'attendre l'accouchement, elles criaient et tout. Je bénis vraiment le Seigneur pour cela. Gloire à Dieu. Amen. Acclamation à Jésus de Nazareth. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Vraiment, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Je me nomme Pangeye Komart, disciple de Frère Kala. Antoine, assemblée de Frère Kala Antoine.
vraiment, je vois que par les enseignements, cela me fortifie. J'ai les enfants, tellement ces enfants-là m'énervent de façon. Je passe le temps à m'énerver. Je passe le temps à m'énerver de façon à penser autrement. Donc, mon faiseur de disciples, M. Kala Antoine, m'a donné le document à lire. Oui, c'est ça que je peux arriver là-bas. Mais, oui, mais l'autre jour, je suis, quand on a parlé de la croisade, j'ai dit qu'elle veut venir. Frère Antoine a dit que tout le monde vient demander ce qui se passe. Je suis venu demander vraiment que le Seigneur m'aide et voit. Et vois notre père, Boniface Boni, que je ne l'ai jamais vu. Viens chercher ton enfant. Notre frère Antoine m'a toujours parlé de nos dirigeants que je n'avais jamais mis l'œil. Et chaque fois, les renseignements, tout ce qu'il est en train de dire, ça me dégage. Elle a les témoignages, mais ce n'est pas local. Elle a beaucoup à dire. On aura ça peut-être dimanche. She has testimonies, but we don't have time. Chers frères, dear brethren, Marc 11, 22, 24. Quand tu as prié, que tu as demandé? Marc chapitre 11. Verse 22 to 24. When you pray, ce que tu as demandé, what you asked for, crois que Dieu t'a donné. Believe that God has given it to you. Les choses comme les maux de tête, things like headache, quand tu es délivré, tu sais sur place. When you are delivered, you know it on the spot. Les trompes ouvertes, open tubes. Tu ne pourras pas savoir. You will not know that easily. C'est quand l'enfant va sortir. But when the child will come out of l'an prochain. Next year. Lève tes deux mains. Take up your two hands. Dis Seigneur Jésus. Say Lord Jesus. Délivre-moi de la pauvreté. Deliver me from poverty. Délivre-moi de la pauvreté. Deliver me from poverty. Dis que ces mains sont comme les mains de Joseph. So may this hand be like the hands of Joseph. Que les projets que je touche deviennent grands. Grand are the projects that I touch will become great. Que l'œuvre de Dieu dans mes mains devienne grande. Grand that the work of God in my hand become great. Si on t'a donné une assemblée, 20 personnes et ils sont restés 5, crie à Dieu. If they gave you an assembly and only 5 are remaining, cry out to God. 20 people and only 5 are remaining, cry out to God. Ne sois pas heureux pour rien. Do not be happy for nothing. Dis, je ne peux pas chanter les cantiques so I cannot en sing captivité. I cannot sing hymns in all tranquility. Dis, oh Père, oh Father, que ton œuvre prospère dans mes mains. May your work prosper in my hands. Qu'elle prospère dans mes mains. May your work prosper in my hands. Que des familles entières soient bénies. May entire family be blessed. Dis, oh Père, oh Father, que mes enfants qui ont retrogradé reviennent. Que mes enfants qui ont retrogradé reviennent. Grant that the children who backslid come back. Seigneur, Lord. Que la guérison règne. May healing reign dans ma vie. In my life. Et dans ma famille. And in my family. Dans ma vie. In my life. Et dans ma famille. And in my family.
Dis Seigneur. Say Lord. Merci pour le royaume des maladies démantelées. Thank you for the kingdom of sicknesses that have been dismantled. Ce qui va arriver, that which is going to happen, c'est que certains vont se réveiller guéris, ne sauront pas quand la guérison est venue. Is that some will wake up tomorrow healed and will not know when the healing took place? Ça va s'accomplir. It's going to happen. Certains d'entre vous, some of you, vont recevoir une visitation des anges de Dieu. You will receive the visitation of the angels of God. Pour enlever le mal. To take away the pain. Pour une guérison définitive. For a complete healing. Ça va s'accomplir. It's going to be accomplished. It's going to happen. Ça va s'accomplir. It will happen. Même financièrement. Even financially. Le bonheur va te rencontrer. Happiness will encounter you. Certains seront même bénis avant la fin de la croisade. Some will even be blessed before the end of the crusade. Mais tout le monde est béni, mais ils vont voir. Everybody is blessed, but they will see. Vous allez voir. You will see it. Tenons-nous debout. Let us all stand. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Qu'aucun esprit ne suive personne. Let no spirit follow anyone. Qu'aucune maladie ne revienne. Let no disease return. Que l'armée de Dieu, may God's army, soit contre tout ce qui veut se relever. Be against all that which wants to arise. Qu'aucun esprit n'aille à la maison. No spirit should follow anyone to his or her home. Nous nous cachons sous le sang de Christ. We hide ourselves in the blood of Christ. Nous protégeons chaque guérison. And we protect every healing. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui éternellement, viens, viens et vois Jésus. Aveugle, mais le ventre de sa mère, assis au bord de la route, il était mendiant. Mais lorsque Jésus vint à passer, il eut pitié du pauvre homme, il le guérit et lui rendit une vue parfaite. Viens et vois. Jésus n'a pas changé. Il...